Au moment où il a acquis les bâtiments. Vous avez également sur le côté des moules qui sont un héritage donc, de la manufacture qui ont été acquis en même temps que les bâtiments. C'est un travail de précision, de finition, de minutie, en fonction évidemment de la pièce qu'on va trouver, de la taille de la pièce. Là, visiblement, ça a l'air d'être une pièce miniature. Pour l'avoir vu démouler, en fait, je prends un verger. Alors, les moules sont en plâtre voilà parce qu'il nous faut une matière poreuse. Et ensuite, on va vider l'excédent de pâte qu'on a ici. L'excédent, on va le vider à l'intérieur, qui va ensuite être réutilisé pour d'autres coulages. Là, c'est dommage qu'on ne le voit pas, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au séchage, ça forme vraiment une croûte qui va ensuite se décoller du moule et qui va permettre de donner la finesse de l'objet. Là, ce sont des oiseaux qui ont été coulés, mais c'est pas des... c'est en fait un coulage en bloc. Voilà. Donc, vous vous apercevez qu'à ce stade-là, on n'est pas encore arrivé à un produit fini. Déjà, vous pouvez le voir de par la couleur de l'objet, qui reste encore un petit peu... Vous aurez un souvenir. Oui, mais vous pourrez demander... quelque chose parce que... Je ne sais pas, hein. Non, mais on parlera de vous à la télé. Non. Peut-être un peu de faire un plus après, pour chercher notre travail. Et ça cuit en même temps, ça non, non, c'est non, comment ça. Vous n'allez pas le voir couleur or au départ, vous allez le voir couleur marron. Une fois qu'il va être cuit, ça va devenir or. Voilà. Ah, c'est tout à fait pareil, d'abord c'est le triage, là les calques. Le filet, le tampon, et puis après, voilà. Ça, c'est des tasses qu'on a. Mais... c'est des déjeuners. Les tasses café, petites. La tasse café, elle est petite. La tasse de thé aussi. C'est joli, mais... Le but de la couleur, c'est de faire 2-3 tours maximum, puisque on met une épaisseur et à la cuisson, on n'aura pas du tout le même. La cuisson ne sera pas uniforme. On va avoir un côté foncé, un côté plus clair. C'est à moi à bien savoir où j'ai commencé et à relever le pinceau au bon endroit. Ah oui. Là, on donne un petit peu. En fait, c'est pas la bonne couleur. C'est un coup de main qui fait. On filme toujours.